J'ai vu boire près du placard, c'était le soir. Il y a deux jours, poésie de Jacques Lenvelet. Il y a deux jours dans la nuit, une femme, une ex peut-être, ma mère peut-être, ou une future mère, une femme, pas un homme, une femme, une très grande tête, comme un piano, une dévoreuse, une peur extrême, non pas une peur, une angoisse, elle va me manger, car je ne peux pas mourir, mange-moi avec tes dents, quand tu es mangé c'est très intime, c'est comme être tout nu. L'ogresse est-elle nue elle aussi? Ses dents sont nues, elle veut que je retourne dedans. Elle me connaît, mais dehors je suis insupportable. Jacques Lenvelet. En fait, au départ, je voulais faire une comédie musicale sur le thème du délire amoureux, mais du coup, un petit peu glauque, parce que j'avais jamais vraiment touché à cette partie de moi-même. parce qu'en fait, ce personnage de Jacques Lenvelet, c'est un personnage fictif que j'ai inventé pour... Oui, c'est un fictif inventé, du coup, ça. Pléonasme. Qui aurait été le confident de Jérôme Bonaparte. Jérôme Bonaparte, qui était le petit frère de Napoléon. Et. Napoléon. Et donc, ce Jérôme Bonaparte, je vous conseille d'aller sur Wikipédia parce qu'il a un CV de taré, quoi. Il est parti dans des galères à l'âge de 15 ans pour auxiliaire du Sud-Américain. Il a été envoyé par son frère et il s'est retrouvé à épouser une femme en Amérique et à lui faire un enfant. Et son frère a eu la très bonne idée de lui dire non, ça suffit, tu rentres ici en Europe et tu t'occupes de la Westphalie, quand même. La Westphalie, une petite contrée d'Allemagne, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il a continué à faire des missions malgré tout, malgré sa douleur, hein, c'est quand même dur, je pense. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est de... Il a régné là, il a ruiné son pays en beuverie et en choses extra-conjugales. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de suivre la trace de son fils, un Bonaparte quand même aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, si des gens ont des infos sur lui. Du coup, j'ai abandonné le projet sur Jacques Lenvelet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai abandonné le projet sur Jacques Lenvelet et je me suis intéressé plutôt au thème du notariat.